De l'eau et des arbres. Donc voilà. Donc euh, pour ma part, donc je travaille à, euh, avec euh, plusieurs des personnes qui sont dans les intervenants là aujourd'hui à arbres et paysages dans le Gers. Et ma fonction, c'est euh, bien sûr enfin tout l'aspect formation et tout ça. J'ai été euh, ingénieur d'expérimentation et de recherche pendant 20 ans. J'ai accompagné des groupes de producteurs pendant 10 ans. Et, et puis maintenant que j'ai un peu des cheveux blancs conrad on dit qu'on fait donne la parole aux jeunes et tout ça bon hein, et aux moins jeunes <laughs> et, et, et donc euh, pour moi c'est de témoigner de ce que j'ai vécu de ce que je vois et puis, puis avec Alain et puis euh, euh, François Irisou qui, qui est aussi là depuis maintenant deux ans on a repris une station d'expérimentation et de recherche euh, dans des terrains euh, agricoles qui sont tout à fait euh, Captivant, il n'y a pas de terre, c'est que du caillou. Et là-dedans, on veut cultiver des céréales. Voilà. Est-ce qu'on peut cultiver des céréales dans des cailloux, dans des endroits où on a 30 mm de réserve utile de sol, dans lesquels on n'a aucune possibilité d'irrigation Est-ce que c'est possible voilà. Nous, on y croit. Voilà. On y croit. Et donc, c'est ce qu'on essaie de, de travailler, de montrer. Et. Pourquoi est-ce qu'on y croit À partir de quoi on s'est basé ben C'est un petit peu ce que je vais essayer d'introduire hein, sur cette première intervention, sur les différents éléments euh, qui vont être importants pour mieux euh, raisonner, mieux réfléchir, mieux penser la façon dont on, on, on va s'adapter. Parce qu'on va s'adapter hein, on ne va pas subir le réchauffement climatique on va s'adapter au réchauffement climatique on va arriver à vivre avec, et on verra que même au travers de ça, on a encore des gains de productivité, de qualité, de résilience, qui sont encore importants en face de nous. que le monde qu'on nous promet, on peut en faire un monde pourri, mais on peut aussi en faire un monde beaucoup mieux que ce qui est aujourd'hui. Voilà. donc, euh, premier axiome. Oh, ça marche pas. Tac, oui. Ah oui, il y a un petit peu de délire, c'est vrai qu'il m'a dit. Le premier truc qui est important, et c'est la seule chose importante que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est que la vie est belle. Voilà. Hein. Donc je vois qu'il ne sourit pas là. Quand je dis la vie est belle, euh, oh là, mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là <laughs> Je veux dire par là, c'est plein de choses. Mais, mais notamment que dans les processus du vivant, de ce qui vit, il y a des tas de choses fantastiques. Qu'on n'a pas trop l'habitude de regarder, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, mais dès qu'on commence à les voir, dès qu'on commence à essayer de fonctionner avec tous ces systèmes, tout ce qu'il y a dans la nature qui peut nous aider, hein, et, et bien ben là, on trouve Waouh, mais c'est chouette Ah ben, je n'avais pas vu ça Ah ben, comment ça Comment ça On, on, va, on, va, on, va, on va avoir un meilleur lait hein Comment ça on, on, va, on va avoir plus de fourrage C'est toutes ces questions-là. C est, c est, ça existe dans la vie. Alors là, j'ai mis deux petites bestioles. C'est un peu mes bestioles fétiches. Hein. Ce, ce sont des, 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 des petits rats, mais ce c'est c'est pas des rats aux pieds. Hein. Euh, c'est des petites bestioles qui, qui sont plutôt rarissimes. Hein. J'arrive plus à retrouver le nom là. J'ai un trou. <laughs> Non, c'est pas le rat des moissons. Ça va revenir. Et le, le et eux, en fait, quand ils sont là. Vous avez. Hein ouais, voilà, le machin doré. <laughs> C'est-à-dire qu'au travers de ces petites bestioles, ce que je voulais juste te montrer, c'est qu'aujourd'hui, euh, dans nos écosystèmes, on produit, bon, on produit des vaches, on produit des tas de choses. Mais, mais qu'en fait, il euh, y a plein de choses qui sont produites en même temps qu'on produit euh, nos productions agricoles. On produit du ver de terre. Il se produit du champignon, il se produit des bactéries, il se produit euh, des, 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 des insectes, toutes sortes d'arthropodes, des amibes, des tas de trucs dans le sol. Il se produit, euh, quand on produit, euh, je sais pas, 1 UGB hectare ou 2,8 UGB hectare de quelque chose, et ben pendant le même moment, il se produit 10 UGB hectare de, de vie du sol. Et que finalement, on est producteur de pas que de ce qu'on est censé produire. On produit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organismes vivants. Et que ces organismes vivants, ils vont avoir une grande influence sur notre façon de produire. Le, le, le... Il y a des bestioles qu'on va juger comme des concurrents, des hein, rats aux pieds, des trucs comme ça. Hein, dans les endroits où il y en a, chez nous, chez nous il y en a plein. Et puis il y en a d'autres, quand ils sont là, ben, ils prennent la place de nos parasites, de ce qui nous emmerde. Ils prennent la place euh, tout en n'ayant euh, pas, pas de répercussions négatives sur ce que l'on fait. Que dans cette diversité, il y a toute une série de, de solutions qui, qui interviennent et qui apparaissent. Voilà. Alors pour revenir au cycle de l'eau, hein, euh, l'eau c'est la vie. L'eau, c'est la vie, mais est-ce que la vie, c'est l'eau Pendant longtemps, on m'avait appris, et ça, c'est ce extrait d'une publication de, 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 de l'ONU, je crois, hein, qui explique ce que c'est que le cycle de l'eau sur Terre. C'est ce qu'on nous apprend à l'école, même à l'école maternelle. Hein, donc, on, on sait, connaît ça par cœur. Il y a, a l'océan à droite. Il y a un pointeur, je crois. Tout, tout, tout. -être. Il y a l'océan à droite, ça s'évapore, ça fait des nuages. Ensuite, il y a du vent qui ramène ça sur la Terre, ça pleut. Alors on voit qu'une grosse partie de ce qui pleut, ça pleut sur l'océan. Sur les 502 km3 de flotte qui s'évapore chaque année de l'océan, il y en a presque 456 qui, ou 458 qui tombent directement sur la mer. Il n'y en a qu'une petite partie, donc un 110 000 km3, qui retombent sur les, les, les continents. Bon, les lacs, hein, tout, tout ce qui est de, de, de l'eau douce, ça, ça, ça fait aussi un petit cycle. Et, et, puis, et puis après, une partie qui peut s'évaporer. Voilà, ça c'est le cycle de l'eau. Hein. On dit que l'eau, c'est la vie. Et donc ça, quand on voit un cycle comme ça, on se dit, ben, voilà, il faut arroser pour que ça pousse. Tout le monde est d'accord avec ça. Si on veut que ça pousse, il faut arroser. Eh bien eh ben non. Hein. Et, et aujourd'hui... On n'a jamais autant réfléchi sur le climat que depuis qu'il y a ce fameux truc qui s'appelle le GIEC qui bosse là-dessus. Bon, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plein d'autres phénomènes qui interviennent et que, notamment, c'est le contraire. C'est parce qu'il y a des arbres qui pleut. C'est parce qu'il y a des plantes qui pleut, mais surtout parce qu'il y a des arbres qui se mettent à pleuvoir. Et que la quantité d'arbres qu'on a sur la planète euh, qu'il y a une proportionnalité entre la quantité d'arbres et la quantité de pluie. Voilà. Et ça, c'est un des enjeux majeurs face au réchauffement climatique, c'est qu'il va falloir réarborer la planète. Réarborer. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut qu'il y ait des forêts, des grandes forêts. Alors bien sûr, dans les forêts, ça marche bien. Ça veut dire, nous expliquent les, les spécialistes du GIEC, euh, 40 à 80 arbres par hectare de surface agricole utile sur l'Europe. 40 à 80 arbres hectares intraparcellaire, En plus des haies, en plus des ripisylves, qui sont deux types d'aménagements qui vont être aussi très très importants pour faire revenir de l'eau chez nous. Voilà. Donc parmi vous, qui est prêt à planter 40 à 80 arbres par hectare en intraparcellaire Allez, 1 pour 40, 2, allez, il faut s'y mettre, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, mais ça, ça c'est le gros truc, en fait. Hein. Euh, tant tant qu'on ne remettra pas des arbres déjà dans notre imaginaire, dans notre tête, avant de les mettre dans les parcelles, hein, parce que c'est bien connu, il n'y a rien qui pousse à côté des arbres quand on est éleveur, on se dit bon, il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'ombre pour les vaches, hein, donc ça, 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 voilà, ça, 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 peut, ça peut aider. Mais, mais quand il n'y a plus de vaches dans les prés et que c'est que les tracteurs qui passent, on se dit eh ben ça, ça va, euh, ça va tout abîmer, quoi. Hein. Mais, mais l'enjeu, en fait, l'enjeu le, peut-être le plus important par rapport au réchauffement climatique aujourd'hui, c'est de mettre des arbres. Alors Alain reviendra sur ça en détail tout à l'heure. Pourquoi, comment, quel type d'arbre, mettre le bon arbre au bon endroit. Hein. Mais, mais ça, c'est vraiment le, le gros pas à faire en avant pour toute l'agriculture. Bon, euh, on, on attend aussi que, que, cette, euh, que ça, ça rentre dans les conditionnalités de la PAC, par exemple. Hein euh, Aujourd'hui, dès qu'il y a un arbre, euh, ben, ça ôte de la surface. Hein enfin, c'est toujours compliqué de, 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 de justifier ça. Donc, économiquement, c'est... Un peu tiré par les cheveux de dire qu'il faut mettre des arbres, mais agronomiquement, c'est indispensable. Alors on va voir pourquoi. Hein. On va voir pourquoi. Alors, le cycle de l'eau. Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une forêt partout où elle le peut, la terre appelle un arbre. Les arbres ils poussent tout seuls en fait. Ça, il ne faut pas dire que c'est compliqué de faire pousser des arbres. Vous abandonnez un terrain, très vite ça redevient une friche. Il y a des ronces, tout de suite, il y a des arbres qui se pètent dedans et ça pousse tout seul. Donc combien ça coûte de faire pousser un arbre, juste de le laisser pousser hein, déjà. Mais comment on passe d'une forêt, alors d'une forêt qui, qui génère son carbone, son azote, euh, dont le les feuillages des plantes sont très très riches en nutriments, euh, qui génère sa propre eau, dans le sol il y a quelques pathogènes, mais surtout des champignons symbiotiques. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de ça à une espèce de désert? Hein, euh, dans lequel il n'y a, a, a plus rien, les plantes, il n'y a plus de champignons symbiotiques dans le sol, on n'a plus que des pathogènes. Ah mais j'ai pas réussi à l'allumer. Ah, voilà. Et qu'est-ce qui se passe que, que, que dans le sol on n'a plus de, euh, plus que des pathogènes, il n'y a plus de symbiotiques, voilà. Il y, y, y a trois phases de déclin successives euh, qu'on peut voir à l'échelle d'un écosystème comme à l'échelle d'une parcelle d'ailleurs. Hein ça va venir de la proximité que la parcelle va avoir avec des arbres. premier truc donc, c'est qu'il y a un déclin de la végétation. déclin de la végétation, ça veut dire qu'on va passer à moins d'une quinzaine d'espèces végétales dans un écosystème. et donc, dans certains écosystèmes, on pourrait avoir 300, 350 plantes. dans nos écosystèmes simplifiés, moins de 15. et ça, ça pourquoi c'est considéré comme un déclin? On va voir que c'est lié à la, à la vie du sol. Chaque plante va nourrir la vie du sol d'une façon spécifique. Hein Une légumineuse, elle ne va pas nourrir les mêmes micro-organismes qu'un qu blé. Hein Et on sait, la légumineuse elle fait de l'azote, elle nourrit des organismes spécifiques qui font de l'azote. Le blé, il va nourrir d'autres micro-organismes dans son sol. Et plus je multiplie le type de plante, plus je multiplie le type de micro-organismes qui peut se nourrir. Et donc, plus j'ai de plantes différentes, plus j'ai de repas différents à donner à mon sol, et bien plus je peux nourrir une grande diversité de micro-organismes. Et pour peu qu'il y ait des plantes qui sachent vivre avec des micro-organismes qui vivent quand il fait un peu plus sec, un peu plus humide, un peu plus froid, un peu plus chaud, je multiplie les capacités de mon sol à répondre aux variations climatiques, aux variations culturales, aux, aux, à tous les problèmes qu'on peut avoir dans, dans nos parcelles. Donc, premier déclin, c'est le déclin de la végétation. Donc, ça veut dire que pour nous, il va falloir à l'inverse réfléchir à comment remettre plus de diversité végétale dans nos parcelles et autour de nos parcelles. Deuxième phase du déclin, c'est donc un, le sol, donc une espèce d'effondrement dans, dans la vie du sol qui va se traduire par un grand abaissement du carbone et de l'azote hein, par rapport à ce qu'il y a avant, et, et puis donc euh, par euh, l'augmentation des pathogènes hein, dans, dans, dans le sol. Donc euh, ça, en fait, c'est dès qu'on est en dessous de, selon les, les, les types de sol, 1,8 à 2,3% de matière organique. Si on est en dessous, eh bien, eh bien, ça veut dire que le sol fonctionne plus bien. Voilà. Il faut fonctionner mais il va lui manquer un certain nombre de fonctionnalités qu'il avait quand il y avait des forêts. Et le fait que ces fonctionnalités soient plus là, ça s'exprime par le fait qu'il y a de plus en plus de pathogènes dans le sol, de plus en plus de maladies qui viennent du sol. Et le dernier effondrement effondrement systémique, hein, qui, qui est qu'il n'y a plus de couverture végétale. Alors ça c'est ce que Conrad nous raconte depuis des années. Réaction de Maillard, enfin, tout le truc, le sol est devenu caramel, toute la vie s'effondre, ça ne fonctionne plus. Et, 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 puis, et puis donc on n'a plus que du pathogène dans le sol. Double peine pour le rayonnement solaire, hein, c'est que l'albédo, le soleil, il se réfléchit sur le sol, donc il chauffe deux fois l'atmosphère. Donc au lieu de réchauffer qu'une fois, bien, tout le rayon qui n'est pas absorbé par les plantes, et bien, il se retrouve une deuxième fois dans l'atmosphère. Ça chauffe beaucoup plus. Et, et dans un monde où tout chauffe, et bien, ça amplifie ça l'effondrement amplifie le, 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 et, et, et la, 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 le, le mauvais fonctionnement de nos sols. Et puis L'autre conséquence de tout ça, c'est qu'au niveau de la composition euh, qualitative du feuillage des plantes, et bien, il, il est plus bon, il devient... Il devient bah, pas très nutritif en fait. Hein. C'est valable pour l'azote comme pour tous les nutriments qui sont utiles à l'élevage. Voilà. Et donc, euh, pour revenir à un système qui va commencer à générer sa propre eau, tac, 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 on va voir comment ça va réunir sa propre eau. Mais première phase, couvert végétaux. Deuxième phase, commencer à insérer des plantes pérennes qui vont permettre de faire vivre de façon pérenne les champignons et la vie du sol. Troisième phase, de diversifier ces plantes pérennes pour euh, que l'écosystème, dans son ampleur, devienne résilient. Alors, un autre élément qui va être important, dans hein, euh, un peu des pièces de Pulse que je vous présente, et on verra comment tout ça, ça va se regrouper hein, dans, dans la même histoire. Le truc c'est que la photosynthèse, la photosynthèse ça c'est ça, ça que nous on est des animaux, on transpire. Notre métabolisme, il fait du chaud. Hein on brûle des sucres, ça fait du chaud. Et les plantes, elles font exactement le contraire. Elles, elles, elles prennent des gaz et elles font du sucre. Et bien ça, ça ne fait pas du chaud, ça fait du froid. Hein c'est ce qu'ils disent en, endothermique. C'est ce qui fait que quand on fait des photos euh, infrarouges, hein, donc euh, eh bien, là je suis à côté d'une plante et eh ben moi je rayonne, je suis tout rouge et la plante, il y a des secteurs dans la plante qui sont qui est juste à côté de moi là, hein, qui sont même bleu foncé, c'est-à-dire qu'ils sont très froids, hein, et, et que la, la différence simplement liée au propre rayonnement entre un truc qui chauffe comme un animal et un truc qui, qui fait de la photosynthèse comme une plante, eh ben moi je suis à 37 degrés. Les plantes, dans les parties qui sont un petit peu jaunes, comme ça, elles vont être aux alentours de. de, de... Alors, c'était une photo qui était prise avant-hier, donc elles sont à, à, aux alentours d'une trentaine de degrés. Et les parties qui sont bleues, hein, euh, donc l'essentiel de ce que l'on voit là-dessus, elles sont 12 degrés plus bas. Hein, donc, euh, déjà 30 degrés, elles étaient à. à, à 10, 10, euh, ça fait 18 degrés. Hein, 18 degrés, alors que la température ambiante était plutôt, plutôt chaude. Hein. <laughs> Van Gogh, voilà. Hein, c est, c est... Ouais. Je pourrais vous prendre en photo si vous voulez, et puis je pourrais vendre les selfies à la sortie. <laughs> ouais. ouais. c'est juste des caméras thermiques, hein, des, des caméras infrarouges. C'est ce qu'on ce qu ce qu utilise. Ouais. Voilà. Alors celle-ci, elle fait plus, euh, voilà, elle mesure plus de trucs encore, mais euh, voilà, c est, c est... Alors voilà, donc l'autre truc, donc toujours nous quand on respire, vous voyez, là c'est un oiseau qui est en train de chanter, il fait froid dehors et ça fait de la fumée. On connaît tout ça. Hein. Pourquoi ça fait de la vapeur d'eau comme ça Pourquoi ça fait de la vapeur d'eau C'est que autour, l'air est froid. Dans ce qui sort de l'oiseau c'est chaud. L'air froid euh, contient moins d'eau. Peut contenir moins d'eau que l'air chaud. Et donc, ça se condense simplement parce que c'est plus froid. Hein et c'est ce qui se passe sur les, les, les vitres dans la chambre hein, quand, quand on dort la nuit, euh, pour, quand il n'y a pas encore de double vitrage, comme à la maison. Euh, et bien, en fait, on a, euh, la nuit, la vapeur d'eau se met sur la partie froide. Elle ne se met pas sur les murs, elle se met sur la partie froide, sur les vitres, à l'endroit le plus froid. Hein et l'eau se condense sur les parties froides. Alors, ça, 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 ça c'est un petit graphique, il faut que je sais avec ça. Comme une journée, par exemple, ça s'appelle l'eau se condense, on va voir ce qu'on appelle une courbe de saturation, et quand il y a 100% d'humidité, une courbe de saturation. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il fait 20 degrés dans l'air, 20 degrés, et qu'on a 50% d'humidité dans, dans, dans l'air Donc, on est ici, là où il y a marqué ambiance. Donc, il suffit. Qu'il y ait des surfaces qui soient à 10 degrés, 10 degrés pour que l'eau commence à se condenser dessus. Voilà. Et dans ma photo de tout à l'heure, on voyait du chaud, du froid. Là. Donc il suffirait qu'il y ait juste 10 degrés. Quand il fait très chaud, très chaud, ici, 40 degrés, toujours 50%, donc je suis là. Donc, vous voyez, alors quand, comme il fait chaud, donc je peux avoir beaucoup plus d'eau, hein, donc 25 grammes par kilo par kilo d'air, alors que là il n'y a que, que 8 grammes, hein, donc trois fois plus d'eau contenue dans l'air. Et euh, il suffit que j'arrive ici à une température de 28 degrés, tuc tuc tuc, par là, pour que ça commence à se condenser. Alors moi je le ressens pas parce que ma peau est à 37 degrés, donc ça ne va pas se condenser sur ma peau, mais sur une feuille. Une feuille qui est à l'ombre. Là, on va avoir 28 degrés. Et donc là, l'eau va se condenser. Et cette eau, c'est de l'eau qui ne passe jamais dans le pluviomètre, parce qu'elle est dans l'air elle se condense sur les feuilles. Alors après, est-ce que l'eau, on ne voit pas d'eau sur les feuilles en été Pourquoi Il y en a qui utilisent des engrais foliaires parmi vous Ou quand on pulvérise quelque chose, est-ce qu'on est qu voit les gouttelettes persister longtemps ben non, c'est quand Il y a une petite partie qui peut s'évaporer, c'est vrai, mais une grosse partie va pénétrer dans la plante. Et les plantes ont des structures, euh, voilà, des, des structures particulières sur leur épiderme hein, qui leur permettent de d'absorber l'eau. Alors, les mécanismes sont bien connus. Il y a trois grands phénomènes. Donc, un truc qui se fait par de façon un peu osmotique, un truc qui va se faire par tous les poils, toutes les plantes qui ont des poils, et toutes les plantes qui ont dont, dont le sous la feuille quelquefois c'est un peu blanc hein, et, et, et les poils ça s'appelle des trichomes ces poils ils ont la capacité de capter l'eau atmosphérique et d'absorber ça dans la plante et puis on a euh, d'autres structures là qu'on appelle les idioblastes donc c'est toutes les plantes qui contiennent de l'oxalate de calcium ça normalement c'est dans des cellules hein, mais quand il fait chaud ces cellules se pètent l'oxalate de calcium c'est un, un, un sel insoluble Hein, qui agit comme les trucs Rupson qu'on met dans les maisons pour capter l'humidité. Hein, C'est capable d'être mono ou dihydraté, donc de capter l'eau à sa surface. Et ces cristaux qui sont là euh, sont, sont capables de, de, de capter l'eau. Et, et, et cette eau, elle rentre dans la sève de la plante, dans la sève élaborée. Et le phénomène est très efficace, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'eau se condense sur les feuilles, elle est directement absorbée par les plantes. Il n'y a que à certains moments, donc au petit matin. Hein, ou par les phénomènes de gutation qu'on peut voir, où on peut observer euh, que, que cette eau se, se, euh, se condense parce qu'il y a un excès d'humidité à ces moments-là. Hein. Voilà. Mais donc, on a des systèmes qui permettent de capter l'eau atmosphérique. Euh, dans les plantes qui ont des idioblastes, il n'y en a pas toutes. Hein, euh, comme les plantes qui ont des poils, pas toutes. Hein. Euh, dans, dans les plantes à, à, qui sont capables de, cap de bien capter, il y a le lierre, par exemple. Toutes ces plantes toutes les plantes qui fonctionnent comme ça, c'est beaucoup de plantes à feuillage persistant. Hein, le lierre, le, le thym, le laurier thym, toutes les laurières, euh, tout, tout les fusains, enfin, les, tout, les, les troènes. Toutes ces plantes qui ont un feuillage persistant, un peu épais, et qui ont cette capacité de capter l'eau atmosphérique. Et euh, je n'élève pas mes, mes animaux avec ça hein. Mais, mais ça, ça peut se trouver dans les, ça peut se trouver sur les bordures. Et on peut imaginer des systèmes de haies, d'arbres isolés, entourés d'un certain nombre de plantes capables de capter l'eau atmosphérique et qui vont agir comme des condenseurs de capter de, de l'eau. Alors, combien ça peut capter d'eau Notre hein question. Que, je, vais, je vais trop vite. <laughs> on verra après combien ça peut capter. Alors l'autre truc, c'est que l'eau euh, peut se cultiver. Quand on comprend ça, qu'on peut capter de l'eau, ça veut dire qu'on peut cultiver l'eau. On peut créer des structures, des façons de collecter de l'eau atmosphérique. Là, je ne vous apprends pas une danse de la pluie. Hein. Je vous apprends comment concrètement capter de l'eau atmosphérique pour rentrer un, plus, un peu plus d'eau dans nos écosystèmes. Et, et, et donc, euh, la, le gros truc, c'est que quand on a une culture homogène ou une parcelle homogène, l'air fout, fout le camp. Dès qu'on a quelque chose d'hétérogène, il y a des turbulences qui apparaissent. Et quand l'air bouge, il y a des turbulences qui apparaissent. Et ça fait des petits motifs, comme ça, des petits vortex qui vont condenser les choses. Alors ces petits vortex, on va les voir plus précisément. Donc, ce que je, comment ils se forment ces vortex En fait, c'est très simple. C'est que vous voyez que plus il fait chaud, l'air s'allège. Quand, quand, quand l'air s'assèche, l'air devient plus léger. Quand là j'ai 25 grammes d'eau par kilo d'air et que, que, que j'arrive à 28 degrés, ben, les 25 grammes vont diminuer. Ça veut dire que l'air va être plus léger, puisqu'il ne va plus avoir l'eau dedans. Il y aura de la flotte en moins. L'air léger, ça monte. Hein c'est plus léger. Et donc ça crée un courant d'air qui va faire venir à l'endroit où c'était froid de l'air chargé d'eau d'à côté. Et ça, c'est capable de générer des petits vents, des petits courants d'air dans la végétation de l'ordre de 10 km/h. Si ce phénomène il apparaît en fin de journée, généralement à partir de deux heures avant la tombée du jour, hein, quand le soleil commence à être un petit peu bas, sur le côté qui est à l'ombre, hein, quand on a un arbre, une plante, un rang, euh, quelle que soit l'échelle, il y a un côté au soleil, un côté à l'ombre. Le côté à l'ombre est plus froid que le côté qui est au soleil. Donc comme il est plus froid, il va déshydrater. Comme il déshydrate, l'air s'allège. Donc il y a une partie de l'air qui va passer, euh, qui, qui va euh, être attiré. Enfin, l'air euh, chaud et humide va être attiré à l'intérieur du végétal. Et, et l'air froid va avoir tendance à, 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 à foutre le camp du végétal. L'air voilà. froid, l'air déshydraté plutôt, va avoir tendance à, à, à repartir du végétal. Et ça crée un petit courant d'air, 10 km heure. C'est rien du tout 10 km heure, C'est une brise toute légère. Mais quand sur un mètre carré, vous avez de l'air chaud et humide qui arrive pendant 5 heures à 10 km heure, ça vous fait 50 000 m3 d'air qui passe là-dedans. Et quand sur ces 50 000 m3, vous retirez 10 grammes, 15 grammes d'eau, c'est que dalle, 10-15 grammes d'eau. Mais, mais ça, sur 50 000 m3, et ça vous fait des quantités d'eau qui peuvent être assez prodigieuses. Donc ça, c'est... De voir les phénomènes comment ça se passe dans certaines forêts, ça c'est dans zones tropicales. Ça c'est pour montrer que en fait la forme idéale, la forme la plus aboutie pour capter de l'eau par des creux et des bosses du chaud et du froid, c'est le romanesco, et qu'il nous faudrait des parcelles qui, vues du ciel, ressemblent à des choux romanesco. Et on est loin de nos trucs tout homogènes. Des creux, des bosses, parce que c'est entre le chaud et le froid que se crée un petit dipôle qui va faire le courant d'air, qui va faire venir l'air humide et, et qui va permettre de capter l'humidité. Voilà. Donc ça, c'est d'autres formes de forêt. Et vous voyez, donc euh, c est, c est, c est, ça paraît plus homogène, mais vous voyez, il y a des creux, il y a des bosses à plein d'échelles différentes. Hein, ça, ça, on est dans la forêt tropicale, dans toutes les forêts qui, qui captent le maximum d'eau. Elles sont organisées spontanément sous des formes de, de, de choux-fleurs. quoi, vous voyez. Hein et donc, euh, ce truc-là, euh, ça a été travaillé. Donc maintenant, c'est des travaux qui sont rentrés dans le GIEC, donc qui sont validés par la science, qui montrent qu'en fait, les petits courants d'air que font les plantes quand elles captent l'eau, toutes les plantes mises bout à bout, hein, quelques, qui ôtent quelques grammes d'humidité, finalement, ça fait des petites dépressions. Ces petites dépressions mi de tabou ça fait des grosses dépressions. Et ces grosses dépressions, eh bien, elles expliquent euh, les, les, les sept plus gros vents de la planète uniquement par la présence de la végétation. C'est-à-dire que pour nous, pour parler... Alors, en, alors en Amazonie, hein, donc 70% de, 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 de l'eau qui tombe, c'est de l'eau qui vient justement des, des, des plantes. Euh, en, en Asie, c'est 80% de l'eau qui tombe en Chine qui vient... Qui, qui, qui vient des plantes euh, qui sont avant. Et donc, euh, ce truc-là, toute la grande forêt boréale qui est là et qui est en train de, se, de, de disparaître là et qui est en train de s'amenuiser de façon dramatique euh, chez nous, fait que eh ben, ce cycle-là est rompu. Et, et donc, euh, eh ben, donc, on a des grandes, grandes, grandes périodes de sécheresse. Et vous voyez qu'en ce moment, dès qu'il commence à faire chaud, on n'a plus de vent d'ouest. C'est des vents qui viennent soit du nord, soit de l'est, soit du sud, et le grand courant d'air qui faisait que ça partait. Normalement, sur la planète, comme le soleil lève d'un côté, tous les vents de la planète, si c'est que la rotation de la Terre, ils devraient aller dans le sens de la rotation de la Terre. Donc, aller de l'est. Il devrait. Donc, la Terre va de l'est vers l'ouest. Donc, les vents de l'ouest vers l'est. Tous les vents devraient aller dans ce sens-là. Et, et... et... Non, c'est le contraire, de l'est par l'ouest. Et si les vents y viennent par là, dans ce sens-là, c'est parce qu'il y a de la végétation. Voilà, c'est ça que montent les gens. Et quand il n'y a plus de trucs, eh ben, on retombe dans le courant d'air inverse. Et, 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 et donc, euh, eh ben, s'il n'y a pas d'eau qui tombe à, à l'est, et eh ben, on, on va pas se récupérer d'eau. D'où cette nécessité de reconstituer une, un corridor, un grand corridor végétal d'arbres. 40 à 80 arbres par hectare de terre nue, hein, de surface agricole euh, actuellement, pour reconstituer ce, cette capacité à refaire les, les grands vents qui, qui, qui vont dans le bon sens pour nous. Hein. Voilà. Donc, euh, euh, Anastasia doit venir justement euh, en, en Dordogne là, cet, 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 cet automne. On, on va pouvoir discuter plus précisément qu'elle nous explique comment, comment elle en est arrivée à ses conclusions. Mais voilà, on trouve que c'est des, des travaux absolument passionnants, qui recouvrent à la fois des notions complètement planétaires, mais pour que ça fonctionne au niveau planétaire, il faut qu'à l'échelle du mètre carré, à l'échelle de la parcelle, à toutes les échelles, il y ait justement du chaud, du froid, et que, que toutes nos végétations, toutes nos structures végétales, toutes nos façons de cultiver nos plantes puissent renouer avec cette capacité à recapter de l'eau atmosphérique. Vous voyez là, donc ça c'est une forêt en France. On prend des, écosyst... oh, pardon, des écosystèmes forestiers. Et vous voyez que la condensation, où est-ce qu'elle apparaît Dans les creux. Elle n'apparaît pas dans les conifères. Et alors, il y a un truc bizarre là. Pourquoi les conifères, ça fait pas de condensation Pourquoi c'est les feuillus Et pourquoi ça apparaît là-dedans voilà, Il y a des questions de température, j'entends ça. Mais après, il y a un autre truc qui est troublant, très troublant. Ah oui, mais je fais comme le Comte de midi je, je raconte l'histoire d'avant. Ça, C'est juste pour vous montrer. Donc ça, c'est juste à côté de la, notre station d'expérimentation, 30, 30 mm de réserve utile. Donc là, c'est des mesures qu'on a réalisées. Donc, qu'on a, enfin, qu'on a Donc, c'est des sentinelles. Hein, c'est des mesures satellitaires euh, qui montrent alors vous voyez, sur notre parcelle qui est ici, là, tac, tac, tac. Euh, on est le 8 septembre 2019 pour cette photo. De, euh, donc, on est dans dans la. La deuxième canicule de l'année 2019. Il y a une première canicule avec de l'eau humide, enfin de l'air humide. Hein, il faisait chaud et humide, mais il pleuvait pas, très très chaud. Et celle du mois de, au mois de septembre, c'était une canicule très sèche. Chez nous, les arbres, les chênes ont perdu leurs feuilles. Les chênes ont perdu leurs feuilles tellement qu'il faisait sec. Et aux endroits, à un endroit où justement on avait expérimenté justement toutes ces plantes à idioblastes, donc toute la partie qui est ici de la parcelle, là, tac. Eh bien, le 8 septembre 2019, ce qui apparaît en bleu, c'est de l'humidité, la condensation, qui apparaît donc en, en début de nuit et qui était même visible de l'espace. Et donc on a mesuré et calculé ensuite par proje, par, euh, que c'était 3 mm d'eau qu'on captait tous les jours, entre 2 et 4 mm d'eau tous les jours en, en fin de journée. Sur les dix jours de la, de la, de la, de la canicule, c'est 30 mm d'eau qui ont été captés. 30 mm d'eau, comme s'il y avait eu un bel orage. Partout ailleurs, les arbres avaient perdu leurs feuilles. Voilà. Et tout à l'heure, on verra ce qu'on a fait, donc euh, juste euh, dans une situation, alors c'est pas tout à fait sur le même site, mais juste là, à côté, hein, où on a des structures qui condensent comme ça, hein, en période euh, sèche. Donc un des gros éléments qui fait que ce système fonctionne, c'est qu'il faut que les arbres et que les plantes soient qu'il qui est des champignons symbiotiques qui vivent avec elles. Dans nos cultures en fait, elles sont presque toutes mycorhizées avec des champignons qu'on appelle endomycorhiziens, donc là, c'est sur une racine de vigne, mais ce serait pareil pour du blé, ce serait pareil pour, de, pour quasiment tous les fourrages que l'on cultive, pour tous les fourrages que l'on cultive, sauf peut-être pour certains crucifères ou certaines, des plantes qui, qui, qui sont naturellement peu ou pas mycorhizées. Mais le champignon, il est à l'intérieur de la racine. voyez, Donc là, on a la racine, là, on a au milieu, ça, c'est le cylindre central, c'est là qu'il y a le, le, la sève qui circule et autour, donc on a le champignon. Alors, on ne voit pas les, les parties extérieures parce que la préparation microscopique les a bousillées. mais en fait, on a plein, plein, plein de mycélium autour hein, de, de la racine. Ce qui est important dans les champignons endomycorhiziens, c'est qu'ils se mettent juste à la jonction entre les réseaux de sève brute et de sève élaborée. C'est-à-dire que c'est eux qui vont pil piloter la quantité d'eau qu'il y a dans la plante. Donc, en temps normal, la plante, elle transpire. Et donc le, le, le champignon va apporter de l'eau dans la racine, enfin par la racine, et va rentrer de l'eau dans, dans la plante. Hein. Le champignon fait ça activement. Dans notre dans, quand c'est par contre la plante qui capte l'eau, donc l'eau se condense à sa surface, l'eau donc va rentrer dans le, le réseau de sève élaborée. Sève élaborée, c'est du sucre. Et quand on met de l'eau dans, dans, dans le sirop, dans le sucre ou dans le ricard, eh ben, ça dilue le ricard. Vous comprenez Et donc la plante, eh ben, et le champignon n'aime pas ça. Quoi, hein, il y a trop d'eau dans le ricard, trop d'eau dans la sève. Et donc qu'est-ce que fait le champignon eh ben, À ce moment-là, lui, il sort l'eau de la racine pour que la plante garde sa bonne concentration en, en sucre dans sa sève. Et donc quand un lierre capte de l'eau, ça va dissoudre sa sève. Et le champignon mycorhizien qui est au niveau de ses racines il va faire ressortir cette eau dans le milieu et alors si ce champignon mycorhizien d'autre côté était connecté à ma culture il serait disponible pour qui cette eau Vous voyez, même s'il m'a moublé, il n'est pas capable de capter l'eau certaines légumineuses avec les feuilles un peu poilues, le font très bien. Toutes les légumineuses un peu méditerranéennes, les pois chiches, c'est fabuleux la façon dont ils peuvent capter l'eau en été. Hein. Mais, mais voilà, mais, no, 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 nos herbes, no, 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 toutes les poissées, toutes les, les principales, tous nos blés, notre maïs et tout ça, ils sont pas bien capables de capter l'eau. Hein. Mais si tout était bien mycorisé, en fait, ça rendrait cette eau disponible dès le matin suivant, en fait, puisque l'eau reste dans le sol. Et dès le matin suivant, donc certes, mon hier, il va en recapter un petit peu, mais toutes les plantes qui sont autour, elles vont aussi l'avoir à disposition. Vous voyez et, et ça, c'est 3 mm d'eau par jour. Quand... Et plus il fait chaud, mieux ça fonctionne. Parce que plus il fait chaud, plus l'air peut contenir d'humidité. Et, et ça renverse sa proposition, hein, que le problème devient la solution. Que le problème du réchauffement climatique devient une solution pour avoir et capter un petit peu plus d'eau pour peu que l'on soit vigilant sur la façon de le faire. Et la nature, vous voyez que la vie est belle, la nature nous montre une façon de le faire. Mais on a un énorme problème. C'est que euh, la trame de champignons qui va bien, qui a spontanément. Euh, qui capte l'eau, en fait, hein, c'est la trame qui est là dessinée en bleu. Hein, donc, euh, c'est une trame tropicale. voilà. Et que chez nous, oui, tout est rouge. Et donc, on est sur une autre trame de champignons qu'on appelle ectomycorrhizien. Et ces champignons-là, alors on les aime bien parce que c'est eux qui font les cèpes, les girolles, les trompettes de la mort, tous les champignons qu'on aime bien manger. Hein. Voilà, donc euh, c'est des champignons sympathiques, mais, mais, mais ces champignons, ce n'est pas du tout les mêmes que ceux qu'il y a sur nos plantes. Et donc, dans nos écosystèmes forestiers, et bien en fait, on n'a pas du tout les bonnes trames. Et c'est pour ça. Que tout le monde dit ah ben ouais ça pousse pas à côté d'un arbre eh ben oui ça pousse pas à côté d'un arbre parce que nos arbres sont pas sur les mêmes trames de champignons que nos cultures alors mais est-ce qu'il y a des endroits où les arbres ont les mêmes trames que les nôtres Vous voyez On pose la question différemment alors premier élément donc vous voyez ça, c'est un champignon. Alors là, on, on va voir un autre type de champignon. C'est les champignons qui décomposent le bois. Hein et il y a des gens qui disent qu'il faut enterrer du bois dans les parcelles. Hein alors le bois, quand il pourrit, ça fait de l'éponge, ça retient l'eau et tout ça. Mais surtout, quand le bois, il pourrit alors qu'on ne va pas enterrer du bois dans les parcelles, on va le faire pousser du bois dans le sol en plantant des arbres. Et ces arbres, comment est-ce qu'on va faire pour que les, les racines des arbres meurt et se décompose et que des champignons puissent venir s'en nourrir, eh ben on va juste soit les couper, soit juste les trogner. Chaque fois que j'ote une partie du feuillage d'un arbre, eh bien en fait il va plus pouvoir nourrir ses, ses racines et une grande partie de ses racines vont mourir Elles vont mourir et être digérées par des champignons. Et vous voyez que les champignons qui décomposent le bois, ils sont entourés d'une pellicule d'eau. Et c'est eux qui vont constituer l'essentiel de la réserve utile d'un sol une réserve utile biologique. Hein. On parle toujours de réserve utile un peu euh, physique, hein. et là on pourra constituer une réserve utile biologique qui se met autour des champignons qui décomposent le bois. Et vous voyez, alors, chaque fois que je coupe. Des, des, chaque fois que je vais couper, mais, mais ça vous connaissez ça, ça par cœur, chaque fois qu'on coupe les, 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 une herbe, et bien on voit que le système racinaire s'adapte à, à la hauteur de coupe. Et si je coupe euh, euh, fortement une plante, et bien elle ne va plus pouvoir alimenter ses racines. Ces racines vont se décomposer. Et dans la décomposition des racines, et bien il va y avoir des champignons qui vont venir les décomposer. Des champignons ou des bactéries. Hein, ça dépend de quel écosystème on a. Est-ce qu'on a un écosystème plutôt forestier Là, c'est des champignons qui décomposent. Est-ce qu'on a un écosystème plutôt euh, euh, steppe, ouvert Là, c'est des bactéries qui décomposent. Donc, si on veut des champignons qui stockent de l'eau, il faut que ce soit un écosystème qui soit proche d'un écosystème forestier. Hein. Et, et donc, les racines vont servir, entre le printemps et l'été, vous voyez, donc toutes les racines qui crèvent en été, si elles sont décomposées par des champignons et pas par des bactéries, ces racines-là vont servir de réserve utile pas parce que c'est des racines, c'est parce qu'elles sont bouffées par des champignons et que les champignons vont avoir de, 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 de l'eau autour d'eux. J'ai des pas... panneaux. Merci, 10 minutes. <laughs> chaque fois que je coupe un arbre, chaque fois que je fais manger un arbre par, par des animaux, il y a des racines qui meurent. Et ces racines qui meurent, surtout si je fais manger tout ça en été, ces racines qui meurent vont très vite se redécomposer en champignons, se transformer en champignons en fait, et, et, et servir à stocker, à stocker de l'eau. Donc on a le carbone, c'est de la vie, et tous ces champignons saprophytiques, tout ce qui meurt dans le sol se retransforme en vie. Hein Ça c'est important important. Au passage, donc, il y a certains champignons hein, comme les, les tramétès, donc des champignons qui vous connaissez ça sont du bois qui se décompose hein, et tout ça. Et, et puis les pleurotes donc, qui font des glycochincolipides, des, des glyco chitosans et des glucanases. Tout ça, ces champignons là vont produire directement dans le sol des substances qui vont agir dans la prévention. Des, des, des maladies fongiques. Hein. Et, et, et même les, les, les glycoschicolipides, là, ce sont même des, plus que des éliciteurs, ce sont des précurseurs de, 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 de soins euh, sur les plantes. Donc, en, en fait, dans ces bois qui se décomposent, vont aussi apparaître des molécules qui vont soigner les plantes contre des maladies, euh, des maladies, des maladies fongiques qu'elles peuvent avoir. Un exemple de ce qui se passe sous les tropiques, hein, dans des systèmes qu'on appelle syntropiques. Alors, c'est quoi vous voyez ils ont mis, là, c'est une bananerie. Hein, on ne voit pas beaucoup de bananiers. Hein, où ils sont là. Tac, tac, tac. Au-dessus, il y a des plantes. Donc là, qui font pour l'instant un petit peu d'ombre. La vocation de ces plantes qui sont ici, c'est d'être coupées. Et donc chaque année, on les coupe pour remettre les bananes au soleil. Le bois se décompose. Donc, il laisse le bois par terre ou il le broie ou il le sort pour d'autres usages, s'ils si ont d'autres usages. Et en dessous, donc vous voyez qu'il y a d'autres plantes là. Et ça, ce sont des plantes qui captent l'eau. Donc, on a à la fois une plante qui fait du bois, dont le bois crève, et qui permet de faire de la réserve utile dans des sols qui sont, qui sont des arènes. En fait, c'est des, des sols où il n'y a que de la matière minérale dedans. C'est des sols qui ont été bousillés par la déforestation. Et, et, et donc, on a à la fois donc une, une plantation de bananes, une plantation de bois, une plantation de plantes qui vont euh, capter de, de l'eau. Tout ça mis au même endroit. Si on regarde ce qu'on a fait chez nous, ben oui, c'est la parcelle que vous disiez là. Donc, on a les structures à côté, donc des arbres tronniers coupés, hein, qui étaient en fait des chaînes truffiers au départ, euh, qu on, on, que l'on coupe pour que les racines crèvent. Et donc ça c'est une photo qui a été prise cette année d'un seigle, hein, euh, qui n'est pas un seigle forestier, qui est un seigle normal. On a choisi un secte parce qu'il était très bien mycorhizé et qu'on a voulu montrer en fait, que, que, que le système fonctionne. Et, et, et vous voyez, quand on dit que, que ça ne pousse pas à côté des arbres, et bien ça pousse quand même <laughs> quand, 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 on, quand on réfléchit à mettre en connexion les, les choses les unes avec les autres. Et donc, si on veut planter des arbres, 40 à 80 arbres à l'hectare, c'est pas pour avoir des arbres c'est pour couper des arbres. C'est pour que dans la décomposition des racines de ces arbres se crée l'eau, se crée la réserve utile des sols et se crée euh, donc la, la, ce qui va conditionner la, la fertilité de, de nos propres parcelles. Donc on veut des arbres pas pour faire du bois, alors même si on peut aller jusque-là et avoir d'autres usages, usages économiques à partir des arbres qu'on va mettre, mais on veut d'abord des arbres pour des raisons strictement agronomiques qui sont celles qui vont nous aider à capter de l'eau et à stocker de l'eau dans, dans nos sols. Hein bon, je vais repasser là-dessus, j'ai plus trop de temps. Donc la réserve utile, vous voyez. Alors nous, euh, on, 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 ta, 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 je repasse. Nous, on est, on est là, vous voyez ces endroits. Donc on est à, à, à moins, moins de 50 mm de réserve utile et chez nous on a 30 mm de réserve utile ici. Vous voyez, donc euh, vous vous êtes mieux quand même, mieux loti par ici. Hein il, y a, il y a plus d'eau dans le sol. Euh, ça, ça, vous l'avez dans l'atlas le, dans le, du GISOL, là, cette carte. Hein et donc, ce qui est important de, de retenir là-dedans, c'est que chaque fois que je vais augmenter de 1% mon taux de matière organique, le 1% de taux de matière organique, c'est est, est, est quoi Est-ce que c'est la matière organique morte ou est-ce que c'est la matière organique totale, y compris tout ce qui vit dans le sol hein et, et donc, je, fais, je stocke 200 m3 d'eau supplémentaire à l'hectare, 5% de matière organique, 1000 m3. 1000 mètres m3. cubes, oui, 1000 m3 sur un hectare, sur 100 hectares. 100 000 m3 Non c'est quoi Je comprends. Non. Enfin, on arrive très vite à des, des quantités énormes qui, qui, qui dépassent de loin ce qu'on peut stocker dans nos mégavacines. Mais ça, de créer de la porosité du sol, de créer du stockage d'eau dans nos sols, c'est un travail qui va nous demander un cycle de production d'arbres complet. C'est-à-dire qu'il faut déjà en remettre pour qu'ils repoussent et ensuite les couper pour que dans le bois qui meurt vont se créer ces, ces trucs-là. Donc c'est vraiment un travail à faire sur l'avenir hein, pour y croire. Et puis après, euh, toutes les plantes qui vont nous aider à faire ça, qui seront sur les mêmes réseaux mycorhiziens, Alain y reviendra tout à l'heure. Globalement, c'est toutes les plantes à fleurs, les, tous les arbres fruitiers qui font des fleurs. Et donc ce sont vraiment ces plantes-là sur lesquelles il va falloir se concentrer hein, pour euh, euh, avoir un système qui fonctionne bien. Donc pas n'importe quels arbres, hein, donc euh, des arbres qui font des fleurs. Et ensuite bien sûr tous arbres qui poussent au bord de l'eau. Tous les arbres qui poussent au bord de l'eau, dans ce qu'on appelle des ripisylves, sont potentiellement connectables sur les mêmes trames de champignons que, que euh, les champignons tropicaux dont on a besoin pour s'adapter au réchauffement climatique. Donc au bord de l'eau, apparaissent les trames qui vont nous permettre de vivre. Mais pour qu'elle apparaisse, il faut qu'au bord de l'eau, ces champignons soient nourris. Donc, en fait, le moindre cours d'eau, le moindre fossé, le moindre endroit où il y a de l'eau qu'on évacue actuellement, il faudrait arriver à ce qu'il soit reboisé sur une largeur ben, autant qu'on peut. Hein Aujourd'hui, dans, dans les zones euh, de, qui sont au bord des cours d'eau, on n'a même pas le droit de laisser pousser les ronces. Quoi. Il faudrait qu'on laisse pousser les ronces et des arbres en plus, hein, pour euh, que puissent naître à ces endroits-là les trames de champignons qui vont bien. Et ces trames de champignons, donc, en fait, ensuite, elles vont agir euh, sur euh, deux fois et demi la, la hauteur des arbres. Donc, euh, si, si, dans, dans, quand on reconstitue des bocages, par exemple, ben, ces bocages vont permettre d'avoir toute une trame qui va permettre, bocages dans lesquels on a plein d'arbres euh, fruitiers euh, sauvages ou cultivés, hein, peu importe, dans lesquels on va avoir le moindre fossé, le, le, le moindre petit cours d'eau entouré d'arbres, de, de, ça, ça, ça va être un outil important qui va permettre de faire évoluer nos écosystèmes agricoles en, en écosystèmes capables de restocker et de régénérer de l'eau. Voilà. Alors ça, euh, pour conclure, euh, euh, quand dit... Euh, Est-ce que économiquement, scientifiquement, techniquement, qu'est-ce qu'on peut en dire Donc euh, je voulais juste me référer à, à la boîte à outils 5.11 du, du, du GIEC. Alors, le GIEC, hein, on connaît le GIEC, on sait à quelle température on va cuire, hein, plus 1 degré, plus 2, plus 3, plus 4. Est-ce que vous aimez votre viande saignante, bleue, saignante, à point ou très cuite hein, Voilà, donc là, les scénarios, on les connaît. Le tome 1, euh, celui qui fait peur, tout le monde l'a lu. Tout le monde en a entendu parler. Le tome 2, c'est combien ça va coûter. Hein, combien ça va coûter. Donc secteur d'activité par secteur d'activité, petite région par petite région. C'est en dollars, c'est pas en euros, mais en dollars on sait précisément combien va coûter le réchauffement climatique sur le scénario 1.5 degré. Hein, combien ça va coûter pour la filière laitière, région par région, pour la filière vin, pour la filière céréale, pour les filières céréales, pour tout. Ils, ils savent exactement combien ça va coûter. En, en, en charge supplémentaire et, et, et en, en diminution de production. Et après, la boîte à outils, par contre, hein, donc c'est 3069 pages, euh, ça, personne n'en parle. Hein. Et dans les 3069 pages, eh bien, il y a un chapitre, la boîte à outils 5.11, qui parle de toutes nos questions d'agroécologie et qui explique en, fait, en substance que l'agriculture telle qu'elle est conçue actuellement, elle peut répondre à 5 des enjeux climatiques. Si notre agriculture devenait égro, agro agroécologique, donc en couverts végétaux, plantation d'arbres, diversité des cultures, rétablissement de ces ripisylves et, 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 de, et, de, et, de, et des, des systèmes de, de haies et des arbres intrapacellaires, hein, 40 à 80 arbres à l'hectare, l'agriculture pourrait répondre à 80%, 80 de, de, de l'enjeu climatique planétaire. C'est-à-dire qu'on place l'agriculture dans ce truc où on est tous des gros connards avec nos vaches qui pètent du méthane, on sait trop quoi. Et là, on propose un schéma où on apporte des solutions qui vont bien au-delà de, 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 de quelques pés de méthane, bien au-delà de, de ce qu'on peut faire. Et on, remet, on, remet, on se remet dans, une, dans un métier très positif et, 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 et indispensable d'ailleurs, puisque finalement… Donc tout ce qui a été évoqué, ça fait partie des choses les plus, les plus, euh, tout ce qui a été évoqué par le GEC, ça fait partie des choses les plus, les plus euh, techniquement, scientifiquement, techniquement, économiquement, les plus intéressantes pour la, pour la, pour, pour la population humaine. Voilà. Hein après, si nous, on ne veut pas le faire, donc ça, c'est l'argument ultime que j'annonce, si, 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 si les, 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 les pouvoirs publics ne veulent pas financer ça, ne veulent pas que l'agriculture le fasse, il eh ben, y en a d'autres qui peuvent le faire à notre place, c'est les castors. Les castors, qu'est-ce qu'ils font Il y, y a des cours d'eau, donc là, là c'est un exemple dans la Drôme. Ils commencent à faire des barrages, ils coupent les arbres. Alors, ils coupent les arbres, oui, ça fait du bois qui crève. Ce bois qui crève, ça fait des racines qui crèvent. Ces racines qui crèvent, ça fait circuler l'eau dans le sol, ça augmente la réserve utile de ces sols-là, ça stocke des quantités invraisemblables de l'eau. Donc, c'est juste des bandes d'une trentaine de mètres de large que les agriculteurs qui sont là-bas, donc, c'est un agriculteur qui travaille sur 1200 hectares, il, 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 il est en train d'assister à l'arrivée des castors chez lui et donc sur, ces, sur le, le fond de ces cours d'eau, donc certes, vous voyez, il ne peut plus faire grand-chose, il y met quand même ses vaches en été, quand, comme l'an dernier, quand il a fait très sec, comme ça, ils ont quand même accès à des prés un peu humides. Et, hein. mais, mais après, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le bois que les castors euh, coupent, ça recrée des trames d'eau qui vont dans, dans, dans le sol et qui vont jusqu'à 150 mètres 150 m du cours d'eau. Et lui, toutes les haies, qu'il a mis pour cloisonner ses pâturages, en pâturage tournant dynamique, donc ils ont refait des, des tas de haies un petit peu partout. Et c'est, il les coupe, il les trogne, de façon à ce qu'il y ait toujours du bois qui meurt et qu'à partir des zones où il y a plein, plein, plein de barrages au fil de l'eau. Alors ceux-là, ils sont protégés par la loi, hein. c'est les castors qui les font, donc euh, ils restent, hein. et, 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 et bien, en fait ça irrigue. Et son maïs, son maïs qui est à 100-150 mètres du cours d'eau, l'an dernier, pendant la canicule, il était haut comme ça, alors que dans la vallée d'à côté, la vallée d'Assis, où, 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 où il n'y a pas de castors, le maïs, son maïs, il était haut comme ça, il faisait 15 cm de haut début juillet. Quoi. Voilà. C'est juste de dire que le modèle, j'étais tout content en allant voir ces castors de, de voir un, le, le modèle, euh, un modèle qui correspond en fait à, à ce qu'on raconte depuis, depuis des années, qu'on peut voir dans la nature un truc qui fonctionne à, à, à l'image de ce qu'on a imaginé aujourd'hui. Et donc à nos politiques, s'ils ne veulent pas, veulent pas euh, soutenir toutes ces formes d'agroécologie, qui laisse au moins des castors le faire. Hein, voilà. <laughs> et, et donc euh, la vie est belle, voilà. Et, 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 et en fait on a on a le plus beau métier du monde, quoi. Hein. <laughs> bonjour, bonjour Hervé, on s'est déjà vu. Coucou. <laughs> L'Alsace... Te... Tu nous manques en Alsace. <laughs> voilà. Euh, J'ai une question pour toi. Je crois que c'est important de le préciser, bien que je connaisse la réponse, mais je crois qu'il faut quand même le dire. Euh, la largeur d'une haie, la largeur d'une ripisylve, puisque tu disais que c'est les ripisylves qui sont l'élément clé euh, du reboisement. Donc, quelle largeur Il ne pas juste d'un arbre par-ci par-là. Eh ben oui, euh, en fait, euh, il faut commencer par un arbre par-ci par-là. Et ensuite, de voir comment le milieu réagit et comment il interfère avec ça. Et au bout d'un moment, enfin, je, pas, enfin, je reste toujours très prudent sur la façon de faire. Alors c'est vrai que euh, une, dans une grande rivière, il faudrait qu'il y ait 15 mètres de par et d'autre. Aujourd'hui, c'est la préconisation du jec des de 30 mètres de large, donc 15 mètres de par et d'autre sur les, les grands cours d'eau. Hein. Mais voilà, euh, quand on les a... Ben, c'est déjà le cas, hein, comme, comme ce sont des zones qui sont un peu immonde, inondables ou un peu encaissées ou des choses comme ça, quand on ne les a pas, qu'est-ce qu'on fait quoi et, et, et donc c'est d'y aller progressivement. Et à partir du moment en fait, où on commence à voir que la, la ripisylve va bien fonctionner avec la parcelle qui est à côté, à partir du moment où, comme chez Brice, quand il va voir que ces animaux, euh, en, en été, ils vont trouver une grande partie de leur, fourra de leur fourrage là-dedans, et donc euh, ce ne sera pas de... Il faut bien se mettre dans la tête qu'on parle de ribis, on parle de haies, on parle de... Mais, mais, mais ce qu'on veut, ce n'est pas que ça devienne des arbres de 30 mètres de haut ou 40 mètres de haut. Ce qu'on veut, c'est que ça devienne des petits arbres qu'on coupe qu et que ça repousse en permanence, qui est tout le temps à disposition eh ben, des animaux pour le brouter ou à disposition de, 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 de nos machines pour en faire des... des, 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 des... Enfin, c'est l'utilisation qu'on va en faire qui va conditionner la taille, la hauteur, la largeur hein, et... et... Et donc d'y aller progressivement au fur et à mesure de ce que l'on peut faire. Mais après, sur tous les cours d'eau, vous savez qu'il y a les zones de non-traitement, les ADNT qui sont prévues, donc 5 mètres de part et d'autre. Voilà, ça, 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 je pense que ça, ça pourrait contribuer à ça. Mais nous, ces zones-là, il faut qu'on les envisage comme des zones de production. Et si ça nous fait du fourrage, eh bien, tant mieux. Quoi. Et si ça nous fait de la plaquette, eh bien, tant mieux. Et on a l'eau à proximité. Et cette eau, en fait. Toute l'eau qui aujourd'hui est évacuée et accélérée vers l'extérieur, et bien toute cette eau en fait elle va pouvoir être restockée dans le sol, restockée pour un petit peu plus tard quand on aura besoin. Ça augmente la réserve utile et donc ça augmente la résilience. Et quand on, quand on arrive à des, à des, des, des quantités importantes, et ça, ça peut même permettre de, 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 de de plus avoir besoin d'irriguer dans certaines situations. Et, et, et si aujourd'hui, certaines cultures deviennent un petit peu compliquées à faire, je pense que demain, ça peut changer. Mais, mais demain, c'est-à-dire à échéance de, de, de 15 ans, 20 ans, quand on aura un, un, un arbrement suffisant de, de nos parcelles. Alors moi, si c'était si chez moi, je laisserais en, 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 en régénération naturelle un peu spontané de grandes zones autour des ripisylves, mais, mais en me gardant la possibilité de, le, de les faire pâturer en fait, hein, de les faire pâturer et, et donc euh, de, de, de réfléchir en fait à la, à la façon d'interagir comme ça quoi. Hein. Et, et un autre aspect qu'on qu n'a, je pas évoqué, mais dans l'hétérogénéité donc des creux des bosses, même dans les ripisylves, il faudra quand même qu'il y ait des grands arbres par endroit. il faudra quand même qu'il y ait des, re, des, des, des C est, c est, tout, tout devrait avoir cette vision un peu en brocoli du haut, du bas, du petit, du grand. Hein, et et de, de, de cette hétérogénéité-là, c'est le, le gage en fait du, du bon fonctionnement des choses. On l'a vu chez toi, avec aussi tous les oiseaux qui, qui, qui arrivent là-dedans, toutes les régulations qui, qui arrivent, toute la, la, le fait qu'il y ait beaucoup d'oiseaux va aussi avoir une grande incidence sur la quantité de mouches qu'il peut avoir dans, dans les espaces. Même était voir un autre gars alors lui qui, 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 qui revalorise en fait tous les insectes en élevage ovin, beaucoup, beaucoup de bouches en été. Euh, le fait d'avoir remis des sylphes, ça va attirer toutes les mouches dans ces zones plus fraîches, qui vont lui permettre d'avoir euh, donc... Euh, de, de, de nourrir toute une biodiversité, toute forme d'oiseaux, des choses comme ça. Et, et ce qui était un, un problème dans leur maison d'habitation et dans le petit village où il y avait trop de mouches est en train de devenir en fait plus un problème. Et au contraire, avec toutes ces mouches, ils deviennent producteurs de biodiversité, à tel point que, un peu comme chez toi, il y a des gens de la LPO qui viennent maintenant pour venir voir les oiseaux qui sont, qui sont faits. Et, et donc, d'un truc où c'était le gars qui, hein, qui obligeait tout le monde à vivre sous moustiquaire pendant toute la... Toute, toute tout l'été parce qu'il y avait trop de mouches. Aujourd'hui, il y a des tas de gens qui viennent pour venir voir les oiseaux et c'est plus, c'est moins un problème, beaucoup moins un problème. Donc oui, il y a même des, 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 ça peut aussi être des solutions à d'autres types de, de, de problématiques auxquelles on peut être confronté par endroits. Donc voilà, donc je, je réponds partiellement à la réponse. Merci. Beaucoup, mais ce qui est important, c'est d'y aller à la vitesse. On, on se sent à l'aise pour le faire. Hein, c'est pas. Euh, on voit les milieux évoluer, on voit les cultures évoluer, on voit les animaux aussi évoluer là-dedans. Et, et quand on voit que les animaux sont bien, quand on voit que les vaches sont heureuses, il n'y ben, ben a plus de soucis. On y va. Hein Merci beaucoup, Hervé. Voilà. Je crois que la réponse, est, elle, elle est là. J'aime bien avoir des objectifs, tu vois. Et l'idée de planter 40 à 80 arbres à l'hectare, les gens me disent, mais... Je ne m'étais pas obligée de les planter dedans, plante-les autour. Quoi. Voilà. Et quand on parle de répicile, c'est aussi bien de se donner un objectif de taille et de profondeur. C'est important parce qu'on ne sait pas trop de quoi on parle sinon. Merci. C'est voilà. vrai, ouais, tu as raison. <laughs> voilà. J'avais encore une question. Euh, chez moi, par exemple, j'ai de la vache à l'étang, j'ai de la charolaise. Tout le fumier est produit en hiver. Au mois d'avril, c'est fini la production de fumier euh, Aujourd'hui, je sors mon fumier toutes les six semaines. Je le mets en andin. Je passe le retourneur en général début mars et on les prend toujours autour de mi mars parce que l'été est porte. C'est toujours une bonne période pour nous. Et cette année, il se faisait très humide. Les rendements sont, les résultats sont excellents. Une autre année, des fois c'est un peu sec, c'est vrai. Maintenant, la question se pose aussi à Conrad euh, tout ce fumier-là, si je le sortais, je le tassais et je l'utiliserais seulement l'automne ou l'hiver suivant, est-ce qu'il aura encore cette même valeur Parce qu'on m'a toujours dit que du fumier assez frais, bon, c'est vrai, il y a du fumier frais, mais de 2-3 mois d'âge, c'est l'idéal en énergie pour, euh, pour apporter à la plante. Alors. À l'exercice, ce que l'on voit, c'est que toutes ces fumures euh, à l'automne fonctionnent beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'au printemps. Et donc, plus vous allez mettre de la biologie, plus vous devez respecter votre cycle biologique. Et le cycle biologique, c'est la feuille à l'automne, c'est le carbone à l'automne, c'est le renouvellement des racines dans la phase hiver-automne-hiver, etc. Donc, en fait, vous allez faire décomposer ce carbone très lentement. Sur la durée et au printemps, vous êtes prêt et ça part à toute vitesse, c'est à dire que vous supprimez le travail du printemps parce qu'au printemps, on a souvent bien autre chose à faire. Euh, malgré tout, puisqu'on sort les bêtes, etc. Les clôtures, les, les récoltes et compagnie. Et en fait, partout, on met en route ce rythme là, la fumure organique à l'automne avec du carbone parce que c'est ça l'astuce. Il ne faut pas l'envoyer dans l'air, il faut le mettre dans les champs. Les résultats sont très bons. Puis je voudrais aussi rajouter qu'il y a, il y a fumier et fumier, ça oui, le rouge là, il y a fumier et fumier, hein, et quand on, ben justement quand on, dans, dans, dans ces stabulations, dans, dans, on, on, il y a du de la paille, les vaches, de la paille, et beaucoup de bois aussi dedans, il va se passer une digestion froide, parce que les champignons qui décomposent le bois euh, font une forme de digestion froide, hein, à, à basse température, et donc le, le, le processus de, de, de stabilisation des nutriments et ainsi de suite va avoir lieu directement dans la litière et, et, et donc dans un, 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 un fumier qui n'a pas les mêmes qualités du tout que, que les fumiers qui, où il n'y a que de la paille et, et qu'on va sentir au printemps et je pense que là aussi la, la qualité le type de fumier que l'on peut produire euh, avec ou sans bois notamment va aussi changer à assez assez Radicalement et moins fortement la, la donne, hein, et, et que, que le, 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 le bois va permettre justement une souplesse qu'on a peut-être moins, hein, parce que donc euh, on sait que voilà, l'ammoniaque est stocké, enfin il y, a, il y a plein de choses qui se passent et qui se passent quand c'est de la litière. Hein, et et d'ailleurs, on, 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 sent, on sent tout de suite que enfin, quand, <laughs> chez, chez, chez toi, au, 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 à, la fin, à la fin de l'hiver, aucune odeur d'ammoniac, les charolaises comme, comme, comme si elles étaient à l'herbe, tout, tout, toutes propres. Enfin, y a, y a, y a, Est-ce est, est qu'on peut appeler du fumier ce que tu produis Est-ce que ce n'est pas déjà autre chose Est-ce que ce n'est pas, pas déjà quelque chose qui n'a qui, qui pas tout à fait les mêmes qualités Ce qu'on disait pour du fumier et ce qu'on a dit pour du fumier, ben, il faut peut-être le revisiter. Et, et c'est ce qu'on va être amené à faire finalement avec tous ces nouveaux... Ces, ces nouveaux itinéraires de production vont nous amener à changer de point de vue sur beaucoup et beaucoup de choses. Et c'est important justement d'expérimenter, de ne de pas être trop dogmatique à chaque fois qu'on qu dit des choses. Il euh, y, y a des règles générales, c'est bien de savoir où on va, d'avoir une idée. Mais ensuite, il y a tous ces chemins de traverse qu'on ouvre et, 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 et qu'il faut aller explorer avec intelligence, avec curiosité et avec créativité. Voilà. Il reste une dernière question et après j'en aurai une pour Brice pour finaliser. De... Une question ici. On m'entend Oui. Et une question ici. Bon, Et puis, OK. Euh... Vas-y. Petite question pour Hervé. Euh, moi, je constate chez moi, euh, dans mes, enfin, le long des haies, euh, le... la problématique qui a pu être évoquée tout à l'heure avec euh, des cultures, des prairies qui poussent très peu. Hein. Euh, est-ce que la seule solution c'est la gestion de la haie, enfin des arbres de la haie, ou est-ce qu'on a euh, d'autres alternatives pour euh, faire en sorte que voilà on, enfin, on puisse recréer, reprovoquer euh, une pousse régulière le long de ces haies ouais. Alors, En fait, il y a plein de, plein de curseurs qui sont sur lesquels on peut jouer et c'est ça qui est intéressant aussi. La gestion, le bois mort, c'est un des trucs qui va mettre en relation. Les légumineuses aussi, dans, dans, dans toutes toutes les, 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 toutes les plantes, tous les arbres de la famille, des légumineuses, tout ce qui va être fixateur d'azote. L'azote c'est tellement précieux dans les écosystèmes que presque tous les champignons vont se connecter et comme tous les champignons se connectent dans les légumineuses, et bien finalement ça va répartir et ça va permettre de faire de faire des liens entre entre plein de plantes. Et après il y a aussi des plantes qu'on peut rajouter dans les haies, qui permettent de faire du lien. C'est ce qu'on a découvert notamment sur la vigne, sur le houblon, hein, qu'elles ont des champignons particuliers qui font le lien entre le milieu forestier et le, et, et le milieu. Après il y a aussi bon, enfin, en fait il y a plein Plein, plein de techniques différentes et dont, par rapport aux céréales euh, et aux céréales on va dire modernes, c'est pour ça qu'on parlait des céréales anciennes, mais les céréales anciennes enfin, quand on dit anciennes c'est des années 70 hein, c'est pas les trucs des pyramides hein. dans les années 70, toutes les céréales étaient bien mycorhizables et avec le mode de sélection qu'on a eu aujourd'hui il y en a plein, qui, le maïs notamment c'est devenu cata parce qu'il n'est plus du tout mycorhizable donc quel que soit ce qu'on fait ça ne se connecte pas bien avec l'extérieur et donc, dans les variétés qui ont été un peu sélectionnées, quelquefois, on a perdu cette aptitude à, à, à bien se mycorhiser et à bien se connecter. Et ça, bon, aujourd'hui, les, les semenciers sont très conscients de ces choses-là et, et, et font marche arrière, justement, par rapport à, à leur schéma de sélection pour rajouter ces fonctionnalités-là dans, dans le travail qu'ils font. Mais ça, ça va être important, voilà. Mais tout ça, il y a plein, plein de leviers différents. Alors, si les semenciers font ça, c'est une très, très bonne nouvelle pour, euh, pour les céréales, ouais. pour les semences. Euh, je fais un lien, on revient sur le sujet de l'eau et c'est une bonne chose. Euh, je fais un lien avec le fumier. Nous, on est dans le nord-est mayennais. Mm -hmm. La question du fumier va bientôt plus se poser du tout parce que nos vaches ne vont bientôt quasiment plus sortir, euh, non, euh, rester euh, dans, dans la stabulation On est passé de 4 mois à 2 mois, même pas là. Euh, donc en fait, la production de fumier a vraiment, vraiment diminué. Donc euh, on ne se pose plus les mêmes questions et en fait, on. On f... Tous nos 85 hectares d'herbe, en fait, la dernière coupe, elle reste euh, au champ à l'automne, en nettoyant et en coupant finalement. Donc, on laisse du vert dans le champ et on apporte un peu de fumier, mais de moins en moins parce qu'on en a de moins en moins. Et ça, c'est juste un petit lien avec ce qu'on a discuté ensemble là. Mais sur l'eau et tout ce que vous avez dit ce matin sur euh, ce qui peut produire de l'eau, les productions, f... enfin les techniques fines là et naturelles de produire de l'eau. Est-ce que, euh, est que vous êtes allé plus loin dans la modélisation ou la projection de ce qui serait possible Parce que qu'est-ce qu'on peut dire à un céréalier aujourd'hui qui a une parcelle de 300 hectares euh, pour arriver à des résultats comme ceux que vous évoquez qui ressemblent à, au système de l'OASIS en fait, moi je crois que le modèle, c'est l'oasis. Il y a un désert autour et l'oasis devient producteur. Et puis à quelle échéance on peut imaginer, si on s'y mettait, arriver à quelque chose qui a un effet On peut trouver des effets assez rapidement, justement par le biais de l'augmentation de la réserve utile et de la capacité que nos systèmes vont pouvoir capter, emmagasiner, stocker plus d'eau. Ça, ça c'est le travail auquel tout le monde s'emploie aujourd'hui. C'est la partie la plus facile, la plus rapidement réalisable. Dès qu'on met du bois dedans, donc, là, ça, ça, amplifie, en fait, ça amplifie le système. Donc le bois qui peut venir de l'extérieur, mais qui, à un moment donné, il faudra aussi qu'on arrive à produire nous-mêmes notre bois sur nos propres, nos, nos propres situations. Après, qu'est-ce qu'on peut dire à un grand céréalier Je vais juste conclure là-dessus. Donc, il y a quelques mois, j'étais à l'Institut de Jeunet, et donc on a eu une réunion donc, dans le nord de la France qui forme tout, tout les, tout les, tous les jeunes céréaliers, en fait, on va dire, enfin tous beaucoup. Et le, le, le soir, on a eu une rencontre avec les maîtres de stage, donc avec les, les, les agriculteurs euh, un peu investis dans la formation des, des, des jeunes. Voilà. Et, le, et donc, il y avait une dame qui était là, très, plus, plusieurs exploitations, donc une dans le nord de la France, 200 hectares, une en, 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 dans la Beauce, 600 hectares, et une en Roumanie, de 5000 hectares. Et elle me disait, mais votre histoire de, de mettre des arbres partout, euh, moi, dans le nord, je ne le fais pas, parce que donc, le, le, le salarié qu'elle avait dessus, il cassait tellement, tel, tellement d'acier de, 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 que, que des réparations... Il est pas assez soigneux. Dès qu'il y a un arbre, il y avait un poteau électrique dans le champ. À chaque fois, il se le prenait, quoi. Voilà. Et donc voilà, Avec lui, c'est même pas, c'est même pas la peine d'y penser. Ouais, ouais, caricatural, mais c'est bon, ce qu'elle disait. Le deuxième truc, elle disait. après. Dans, dans, on, on... Dans la bosse, mais je continue à avoir une vie sociale, moi. Hein. Donc, euh, si je commence à mettre des arbres partout, ben, ça va un peu comme tous les pionniers, des gens qui. qui, qui, qui ben, comme même les parents, même la famille, tout le monde dit ce que vous faites, c'est des conneries. Enfin, voilà, donc euh, pour elles, c'était socialement pas acceptable. Ce n'est pas la question agronomique, parce que la question agronomique, c'est en, en, en Roumanie, là, sur ces 5000 hectares, et ben, là, ils ont déjà des arbres partout. Ils sont rentrés agronomiquement. Dans ces situations-là, parce que c'était socialement accepté, globalement accepté. Et puis surtout, là-bas, ils ont des tracteurs qui sont. Euh, euh, le pilotage est assisté par, euh, par, par satellite, et, et qui sont précis, euh, à, à 2 cm près. Ils font du binage dans les céréales à 2 cm près avec ces tracteurs-là. Et, et, et donc, là, il bon, y des arbres. Enfin. Ça, ça, ça touche plus, c'est plus un problème technique en fait, c'est plus un problème euh, culturel, et, et donc, ça, donc ils y vont. Mais enfin, le gros truc à passer pour les arbres, hein, c'est juste d'accepter d'en mettre. C'est juste... on, on, on a passé, euh, depuis la fin de la dernière guerre, donc il euh, faut vous raconter ça fait que 70, 80 ans maintenant, à, à, à faire du remembrement, à couper des arbres, à couper des arbres, à couper des arbres. Ben, le, mon pote Alain, qui est agriculteur juste à côté, son père, son père c'était un grand artisan du, du remembrement, donc voilà, il coupait des arbres. Et quand on a commencé, alors, et vous savez ce qu'on a mis dans les trucs On a mis dans les haies, on, on avait mis des pruneliers, tous ces trucs qui font des épines, qui poussent pas des arbres, mais, des, mais vous êtes complètement fou Alors c'était de ma faute, ce n'était pas de la faute d'Alain. Il, il m'engueulait son père parce que je faisais faire des conneries à son fils, hein, qui, a, qui a le même âge que moi. Mais, mais, mais voilà, et puis après, au bout d'un moment, il, il a quand même vu, bon, c'est comme, enfin, il a pris sur lui, et puis... Mais oui, il y, y a un truc qui, est socialement, culturellement, est, est dur à passer. Et ça, il faut aussi comprendre que c'est dur pour, pour, pour beaucoup, qu'il qu faut le faire, et qu'il faut... Euh, c'est juste, ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps qui vient, ce n'était pas le temps d'avant. Et que quand on dit de planter des arbres, c'est pas pour refaire comme avant, c'est pour faire mieux, pour essayer de rajouter quelque chose de plus et quelque chose qui va en plus nous permettre de régler des problèmes climatiques monstrueux. Hein Donc euh, que derrière il y a un enjeu environnemental, certes, et un enjeu agronomique, et c'est sur celui-ci qu'il faut rester, euh, euh, qu'on peut rester crédible justement quand on voit que ça marche mieux avec des arbres que sans des arbres. Mais après, c'est de revoir dans sa tête, de revoir ses itinéraires ses techniques, de, de, de revoir la, la, la précision du, du matériel que l'on fait. Quoi, voilà. Et puis voilà, après, on verra que la vie est belle. Pour chacun, c'est juste peut-être quelquefois de commencer à expérimenter un petit peu marginalement, juste pour voir ce que le premier pas, vous savez, les premiers pas, le premier pas, ben, c'est toujours un premier pas. Et, et même si on peut trouver que c'est trop faible par moment, quand un gamin fait son premier pas, on ne va pas l'engueuler parce que ce n'est pas un marathonien. Et au contraire, on l'encourage. Et ben nous, on en est là aujourd'hui à faire tous ces premiers pas et à, à s'encourager mutuellement d'avancer ensemble. Quoi. La vie est belle.